Alors, bonjour à tous, chers compatriotes, où que vous vous trouviez. Je vais faire durer un peu les civilités, le temps pour les uns et les autres de se connecter pour que nous travaillions véritablement en direct comme cela a été annoncé. On vous l'a dit, hein, depuis la visite que j'ai faite à l'honorable Fotsin, que nous aurions aujourd'hui un rendez-vous en direct au cours duquel une mise au point de notre part serait faite et les enseignements et les conséquences seraient tirés. Pour ceux qui ne sauraient pas de quoi on parle, nous sommes toujours dans le prolongement de ce qui s'est passé à Bafoussam. C'était le jour de la Tabaski, de la célébration de la Tabaski, qui est une fête religieuse musulmane. Ça s'appelle également l'Aïd el-Kibi. C'est bien cela, je parle sous le contrôle de l'honorable Nouran Fotsin, qui est de confession musulmane. Vous ne pouvez pas encore la voir, mais elle est là. Je vous rassure qu'elle est là parce que la mise au point va être apportée par elle. Je n'avais pas encore personnellement pris la parole sur cette affaire, disons de façon aussi formelle que celle-ci. Il y a eu un communiqué signé de ma porte-parole, Madame Anne Fegon Noah, et puis il y a eu des sorties que j'ai faites sur Facebook, je crois, Twitter. J'ai préféré laisser, comme je l'ai dit dans un post que certains m'ont pris, que l'écume du buzz se dissipe et que nous puissions donc nous donner rendez-vous pour saisir dans toute son amplitude la gravité de ce qui s'est passé à Bafoussam. Parce que la légèreté avec laquelle cela a été abordé, que ce soit par le gouverneur, que ce soit par beaucoup d'internautes, beaucoup de citoyens, met en relief non seulement la profondeur du mal, mais la profondeur dans laquelle se trouve le mal. Parce que ce qui se passe, je l'ai dit, ou ce qui s'est passé à Bafoussam est particulièrement grave. Ce n'est même pas les ramifications ou la portée n'est même pas à aller trouver dans ce que certains se sont hâtés d'évoquer ou d'invoquer. Des sanctions disciplinaires, des poursuites pénales. Le dossier a été donné à nos avocats, au secrétariat national chargé des affaires juridiques du contentieux du Parti Camerounais pour la réconciliation nationale. En temps opportun, nous vous dirons ce qu'on a résolu de faire. D'ailleurs, peut-être à la fin de cet échange-ci, je vous aurais dit quelques dispositions que nous nous apprêtons à prendre. Mais je voulais déjà que vous sachiez que c'est grave. Donc, la première chose que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons vous donner une version qui peut, à juste titre, en droit, on la qualifierait ainsi, que nous pensons être authentique. C'est-à-dire qu'elle va vous être donnée, cette version, par l'honorable Nouran Fotsin en personne, qui va vous relater dans un premier temps les faits, et rien que les faits, c'est-à-dire ce qu'elle a vécu, et rien que ce qu'elle a vécu, sans négliger quelques détails que ce soit. Elle va vous donner les faits. Là où elle pense qu'elle a mal agi, elle va vous dire qu'elle a mal agi. Et d'ailleurs, beaucoup d'entre vous, je vois, vous êtes en train de vous connecter. Nous sommes en train de lire. Vous pourrez dire là où vous trouvez qu'elle aura mal agi. Parce que nous avons eu une première version des faits
donné par le gouverneur, avec beaucoup de raccourcis. On y reviendra tout à l'heure. Mais nous préférons, comme cela se fait, en justice. C'est le principe du contradictoire. Nous considérons que vous, les Camerounais, c'est vous les premiers justiciers. Je rappelle que je suis député. Ah, tiens, quelqu'un va encore dire pourquoi je le rappelle. Mais c'est bien de le rappeler. Mais vous comprenez maintenant pourquoi je le rappelle. Parce que lorsqu'on est député, on a le privilège d'exercer la souveraineté du peuple. Ce n'est pas moi qui le dis, hein. C'est la Constitution. Et souvent je dis, souvent, toutes les constitutions du monde, hein, à partir de l'article 2, le rappel, la souveraineté dans un État appartient au peuple qui l'exerce au travers de ses représentants élus que sont le président de la République et les parlementaires. Donc chaque fois que quelqu'un vous dit qu'il est député, qu'il a le privilège, la grâce d'être député, c'est qu'il fait partie de ces quelques personnes qui ont la grâce, je l'ai dit, de recevoir l'onction du peuple. Je peux vous dire que c'est une grâce. C'est une grâce de recevoir l'onction du peuple, de représenter le peuple, de parler au nom du peuple. C'est une grâce. Pour nous, au PCRN, ce n'est pas un jeu. Ce n'est pas un amusement. Parce que nous avons mérité. Peut-être même, moi, moins que les autres, parce que mon élection à moi a fait l'objet d'un contentieux post-électoral. C'est-à-dire que moi, mes adversaires du parti au pouvoir ont introduit une plainte au Conseil constitutionnel pour annuler mon élection au motif que moi, j'avais triché, que j'avais fraudé. Bon, ils ont été déboutés devant le Conseil constitutionnel. Mais Nouran Fotsin, elle n'a pas fait l'objet de contentieux post-électoral. Ça veut dire que même ses adversaires, et Dieu sait qui ils sont, un parti au pouvoir, le parti au pouvoir, je crois, un parti d'opposition de forte réputation, je crois c'est le SDF, je crois, il y avait 3 ou 4 partis en lice dans le Vouriest. Tous ont reconnu sa victoire. Il y a eu des contentieux post-électoraux là-bas, mais ça ne concernait pas l'élection de l'honorable Nouran Fotsin. Donc, la fierté qu'elle doit afficher, elle est méritée. Si elle dit « je suis députée », elle a cette grâce. Pendant le temps que la Constitution donne d'exercer le mandat du peuple. Je dis cela d'antan avant qu'elle ne prenne la parole, parce que nous sommes dans un pays où lorsque vous dites ce que vous avez obtenu par mérite, il y a surtout ceux-là qui n'ont jamais osé faire ce que vous faites. Et beaucoup plus encore, ceux-là qui même dans leurs rêves les plus fous savent qu'ils ne pourront pas faire ce que vous avez fait. C'est eux qui sont les premiers à vous dire, ça ne veut rien dire, ce n'est rien, vous ne valez rien. Non. Ce n'est pas cette République-là que le PCRN veut construire. Mais pour l'entendre, je crois avoir parlé assez. Je reviendrai tout à l'heure. Je vais laisser la parole maintenant. Nous, on le fait, je le précise encore, par respect pour le peuple que vous êtes. Parce que derrière ces commentaires, il y a des êtres humains que je vois là. C'est des êtres humains. Ce n'est pas des machines qui écrivent ces commentaires, qui défilent. Ce n'est pas des machines qui sont connectées, ce sont des êtres humains. La technologie a permis aujourd'hui que nous puissions interagir. Donc vous, vous êtes le peuple. Et nous pensons que par respect pour vous, parce que nous exerçons votre mandat, lorsque une accusation est portée contre nous, donnant l'impression que nous n'exerçons plus le mandat que vous nous avez donné, nous avons le devoir de nous expliquer et de vous dire comment nous ressentons cela. Libre à vous d'en juger. C'est vous le peuple. Libre à vous d'en juger. Je vais donc passer maintenant la parole à l'honorable Nouran Fotsin, qui va vous dire ce qu'elle, elle a vécu.
Bonsoir à tous. J'espère que vous portez bien. Président, merci de m'avoir donné l'occasion de pouvoir m'exprimer sur ce qui s'est passé à Bafoussam. C'est bien que je puisse en parler. Je me suis tue, j'ai gardé le silence pendant un certain temps. Mais au vu de ce qui se passe, de ce qui se dit, j'estime qu'il est important de pouvoir restituer la vérité telle qu'elle s'est passée, par respect pour vous, par respect aux électeurs, par respect à mon parti, par respect à l'Assemblée nationale et toutes les institutions qui font partie de ce pays. Alors, premièrement, je commence par le début, je vais aller jusqu'à la fin. On est donc le jour de la fête de la Tabaski, c'était le 20 dernier, et je me rends à Foumban pour fêter avec ma famille, comme j'ai l'habitude de le faire, parce que pour ceux qui le savent, je suis, ou alors pour ceux qui ne savent pas, je suis musulmane et plus précisément de Foumban, de Malatam, c'est de là que je viens. Et en fait, pour moi, c'était tout à fait naturel que j'aille donc passer cette fête-là avec ma famille. Alors, on prend la route pour Foumban, on sort de Bafoussam, et en fait, on arrive au niveau d'un barrage. Alors, je tiens à préciser au fur et à mesure que je vais avancer avec l'histoire, je vais essayer d'écarter un peu je n'ai pas envie de dire mensonges, mais les choses qui ont été racontées, qui ne sont pas vraies, les contes vérités, voilà. Il n'y avait qu'un seul barrage. Quand on avance, c'est au niveau du quartier Aoussa, c'est le seul et unique barrage qu'il y avait. Et en fait, moi, je suis en train d'avancer, je vois un pick-up passer, un pick-up CA, suivi par un taxi. Et au moment où moi, je veux passer, on met la barrière en banc. On met un banc, vous appelez les choses telles qu'elles sont. On met donc ce banc et je dis, mais qu'est-ce qui se passe tout? On me dit, honorable, non, on me dit, parce qu'on ne me reconnaît pas. On dit, il y a la prière, on s'adresse à mon chauffeur, en fait, qui lui est en train de conduire. Et on lui dit, en fait, il y a la prière qui est en train d'avoir. Je dis, mais quelle prière? Voici les musulmans qui sont en train de rentrer avec leur nappe. Quand on voit des images, vous allez voir, certainement on va revenir dessus, tout le monde a fini de prier et tout le monde a sa nappe là sous son aisselle et les gens sont en train de rentrer avec le tapis de prière. Je dis que mais la prière est finie. On dit non, c'est pas possible, c'est le gouverneur qui a bloqué, donc il n'y a pas moyen de passer. Je dis mais voilà un pick-up qui vient de passer, voilà un taxi, voilà deux voitures qui viennent de passer. Pourquoi est-ce que je passe pas? On me dit non, c'est pas possible. Alors c'est là où je décide de leur dire qu'en fait, je me présente et je dis donc je suis l'honorable Nourad Fotsi. Et en fait, je suis en train d'aller à Foumban pour fêter en famille. Je dois vivre ces moments-là avec ma famille et tout. On me dit, non, il y a la voie de contournement. On me présente la voie de contournement, ça c'est vrai. On me montre la voie de contournement. Je dis, mais moi j'ai vu des voitures passer. Je pense que je dois également passer. Je devrais passer par là. Alors, une policière très gentille qui me reconnaît certainement, elle tire le banc et elle dit, on aura passé. Elle fait ce signe, la main, passer. Au moment où mon chauffeur s'engage donc à passer, alors un autre policier sort de nulle part, tout offusqué, dans une colère qui ne s'explique pas. Non, tu ne passes pas. La dame essaie de lui expliquer, mais il était tellement fâché que je pense qu'elle s'est abstenue, c'est ce qui s'est passé. Et il vient à mon niveau. Il dit que vous ne passez pas, vous ne passez pas. Je dis, mais pourquoi les voitures viennent de passer tout? Non, passer par la voie de contournement. Je dis, je veux bien, mais les gens sont passés. Et puis la prière est terminée, donc il n'y a pas de raison pour que la prière soit, que la route soit bloquée à cet instant-là. Et il faut dire plus précisément, et ça je veux bien maintenir, je vais mettre un point dessus, c'est que au moment où les faits se passent, il est à peu près 9h10. 9h50, pardon. Il est 9h50, donc moins 10 pour 10 heures. Donc il est 9h50 et en fait la prière est terminée. Pour la musulmane que je suis, fille d'imam, grandie dans la religion musulmane, les prières le jour de la Tabaski se passent comme suit. C'est une prière qui se fait à jeûne. Ça veut dire qu'on jeûne, on va étant en jeûne à la prière, on finit la prière et immédiatement après, s'entraîner, on rentre à la maison pour égorger le mouton. Tout le monde vous attend à la maison pour pouvoir faire donc ce sacrifice-là et qu'on puisse le préparer et on mange en famille. Il y a une première partie qu'on recueille, les boyaux généralement qu'on retire et c'est ça qu'on prépare pour que la famille mange en attendant de préparer le mouton. Donc, je veux bien souligner le fait que la prière était terminée. D'ailleurs, au début, je vous dis, je vous le rappelle que les musulmans sont déjà avec leur tapis de prière sous leurs aisselles, d'autres étaient sur la moto, la prière était terminée, elle était terminée. Et donc, je dis, non, mais la prière est terminée, je veux passer, il n'y a pas d'explication qu'à cette heure-ci, la route soit encore bloquée. On me dit, non, c'est le gouverneur et tout, c'est pas possible de passer. Je dis que non, moi-même, je suis invité là-bas. Je lui ai dit, donc, moi-même, je suis invité là-bas, donc il faut que je passe.
On me dit non, tu peux pas. Et en fait, moi, je suis en train de vous parler très posément, mais ça avait déjà pris les allures très, très compliquées. C'est qu'on grondait, c'est qu'on voulait faire les démonstrations de force. Et puis, de un policier, c'est devenu trois. Ensuite, quatre policiers, c'était aberrant. Alors, à un moment donné, je dis à mon chauffeur, descends. Moi, je prends le chemin parce qu'il ne faut pas qu'on te pose, que ça devienne ton problème. Moi, j'engage, je décide de prendre le véhicule pour y aller. Alors, j'entre dans le véhicule pour pouvoir engager. On me dit non, tu peux passer et tout, et tout, et tout, et tout. Et ça devient maintenant d'une colère extrême. On me demande, madame, descendez du véhicule, descendez du véhicule. Il dit, mais vous parlez comme ça à un député? Faut bien écouter. Et c'est là où je pense qu'on commence à enregistrer la vidéo. Heureusement que cette vidéo existe d'ailleurs. On dit, madame, descendez, on ne dit pas honorable. À ce moment-là, ils estiment que je suis, c'est-à-dire, ces titres qui me reviennent de droit, que j'ai œuvré, j'ai bataillé dur, j'ai battu campagne dans Vouri-Est. Je ne sais pas si vous connaissez ce que Vouri-Est. C'est la plus grande circonscription au Cameroun. Douala représente 4 millions d'habitants. Rien que le Vouri-Est, c'est plus de 2,5 millions d'habitants. Ce n'était pas facile. Donc, ils estiment que je ne dois pas... Je leur dis, vous parlez comme ça à un député? Vous parlez comme ça à un député? C'est pas normal. C'est pas normal. À aucun moment donné, j'insulte personne. Je reste très courtoise, polie. Et en fait, je suis subjuguée. Je suis étonnée, impressionnée par ce qui se passe. Vous parlez comme ça à un député? Vous me manquez de respect? Et à l'un d'eux de me dire que, madame, je vais tirer sur vous. Je dis, hey, je vais tirer sur vous, je vais tirer sur vous. Et on voit bien sur la vidéo comment il pose la main sur son arme. Si vous observez bien, vous voyez bien qu'il pose la main sur son arme pour dire, je vais tirer sur vous, je vais tirer sur vous. Je lui demande, vous allez tirer sur un député? Il me répond, vous voulez voir? Qu'est-ce qui se passe? Devant les yeux de mes enfants, devant le regard titanisé de mes enfants. C'est-à-dire, au moment où il parle, c'est parce qu'il lui arrive, il perd tout repère, il perd tous les enseignements qu'on l'enseigne à la police, de pouvoir maintenir ce calme, de pouvoir rester pondéré, réservé, de protéger, même s'il ne voulait pas me protéger, moi, au moins qu'il ait de l'égard vis-à-vis des enfants qui sont dans la voiture. Et là où il dit, là où il s'adresse devant eux, il dit à leur mère qu'il va tirer sur elle carrément. Et à mon fils, vous observez bien, mon fils me tend le téléphone. Mon fils me tend le téléphone, dit, maman, appelle papa. Appelle papa. C'est tellement, c'est une image forte quand mon fils est le policier de répondre, appelle, appelle qui tu veux, appelle qui tu veux. Mais je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je suis surprise, on me demande, on m'intime l'ordre de descendre du véhicule, je ne sais pas si ça se fait, parce que je ne sais pas de quoi on m'accuse jusqu'à là. On me demande de descendre du véhicule. Madame, descendez du véhicule. Tout ce que je dis là, c'est sur image, hein. Ça, c'est clair que c'est dans la vidéo, j'invente rien. Descendez du véhicule, descendez du véhicule. Je dis, mais attends, qu'est-ce qui se passe? Vous parlez comme ça, vous parlez à un député. Je vous assure, du début à la fin, je suis sidérée par ce qui se passe. Je n'en reviens pas de ce qui se passe. Je ne savais pas que c'était possible au Cameroun qu'on traite un député de cette façon. Ce n'est pas parce que je suis députée, mais parce que je représente quand même une institution qui doit être respectée. On ne peut pas être tous les jours en train de dire qu'il faut respecter le président de la République. Il faut, parce que c'est une institution et tout. Et vous estimez que c'est normal qu'on manque de respect à un député. La constitution est claire. La constitution est claire. Le pouvoir est donné par la population à deux institutions. L'exécutif et le législatif. Ce sont les deux qui sont élus. Alors, ça c'est une parenthèse. Je reviens sur les faits. On va donc au niveau de... Le monsieur donc me demande de descendre du véhicule. Les gens commencent à s'attrouper, Et il tire la portière, il ouvre la portière, il me fait descendre pratiquement de force, descendez et tout. Moi, je suis tellement énervée parce que de l'autre côté, également, on est en train de chiffonner mon mari. Ça, je suis dépassée par ce qui se passe. On est en train de voir le brutaliser et tout. Je dis, mais qu'est-ce qu'on assiste à quoi là? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qui se passe? Et quand je descends du véhicule, le monsieur est devant moi, donc je le bouscule, je le pousse pour pouvoir passer. Et quand je pousse, il commence à me dire comment... je demande, il s'adresse comme ça à un député, il me dit, député, vous allez m'excuser les propos, franchement, mais c'est d'une cruauté et je suis dans la restitution, donc je vais restituer. Il dit, député de mes couilles, député mon œil, c'est très grave. Je vais vous montrer. Il me dit, je vais vous montrer. Un monsieur qui se posait protégé. Restez pondéré, c'est ce qu'on leur apprend à la police. La police a ce devoir de pouvoir protéger les civils, protéger tout le monde. Ce qui apporte l'apaisement. Mais en plus, tu le fais devant à une femme avec ses enfants. Toujours est-il, il insulte, il continue à insulter. Moi, jusqu'à là, je ne dis aucune insulte. Je ne dis aucune insulte. Je reste toujours sidérée par ce qui se passe. Et donc, le ton s'échauffe, c'est clair, tout le monde est fâché et tout, c'est la colère et tout. J'estime que ce n'est pas normal ce qui se passe. On me doit un respect, normalement, vu ce que je représente.
Et donc, je décide de passer de l'autre côté. Et il y a un autre policier, je pense que je pousse également parce qu'il est sur ma route. En fait, parce que contrairement à d'autres, moi je dis la vérité, je ne mens pas. Donc, je le pousse et j'avance de l'autre côté. Je veux donc tirer le banc pour pouvoir passer. Je veux tirer le banc. Je ne le tire pas. Je veux tirer le banc. Et au moment où je veux tirer le banc, le policier vient et il me pousse carrément. Et quand vous regardez la vidéo, il ne me poussait pas pour que je lâche le banc. Il me poussait pour que je tombe. Pour que je tombe. Bon, heureusement que je suis jeune. Hein? Heureusement que je suis jeune. Je ne suis pas tombée. Donc, je suis encore solide. Je ne suis pas donc tombée. Et je reviens. Vous voyez la scène qui suit. Je reviens donc avec mon téléphone. Et là, je suis dépassée. Il faut que je fasse quelque chose. Et au moment où je prends mon téléphone, je suis en train de manipuler. Le policier prend le téléphone. Il balance dans la foule. C'est là où net la vidéo se coupe là. S'il avait filmé, si la personne filmait encore 3, 4, 5 secondes, vous aurez vu ce qui se passe. C'est qu'il m'arrache le téléphone entre les mains. Il balance dans la foule. Waouh. Waouh. Ça veut dire, à ce moment, je me dis, mais c'est très grave. C'est très grave, c'est très grave. C'est là où la population qu'on accuse, là. Viens vers moi. Honorable, calme-toi, calme-toi, calme-toi. Et aux uns aux autres dire, mais attention, c'est un député, attention, c'est un député. Parce qu'on dit que la population veut m'agresser. La population ne m'agresse pas. Et en même temps, sur la vidéo, on voit bien qu'il y a un véhicule derrière moi, un camion qui klaxonne. Il y a des motos qui passent. Quand on parle de qu'il y avait trois barrages, j'ai forcé trois barrages. J'ai forcé quel barrage là? Quand il y a un camion direct derrière moi, il y a des motos qui passent gauche à droite. Il n'y avait pas de barrage. Il n'y avait que ce barrage là. Et c'est une route qui passait. C'est ce qui prouve que j'étais là, le camion derrière moi et les autres véhicules qui étaient là. Donc qu'on n'invente pas des choses, qu'on ne prenne pas des Camerounais pour des personnes qui ne réfléchissent pas. Non. Non, il ne faut pas manipuler les choses. Il ne faut pas manipuler les choses, il ne faut pas détourner les choses. Et de là donc, cette population qui me calme dit, honorable, calme-toi, calme-toi. Rentre dans le véhicule, on me fait rentrer dans le véhicule tranquillement. Et là, vous avez, quand ses collègues, en fait, ont commencé à voir sa réaction extrêmement excessive, même ses collègues ont commencé à se calmer. Là, les gars commençaient à se calmer. C'était plutôt, ok, ça va aller. Et c'est encore la dame qui avait tiré le banc pour que je passe, qui revient me donner, cette policière-là, qui revient me donner le téléphone en question, qui était balancé dans la foule. C'est elle qui vient me donner le téléphone, elle me dit, désolée, elle me donne le téléphone. Je prends le téléphone et je me dis, ok, ça est en train d'aller dans tous les sens, il faut que j'appelle. Quelqu'un qui va pouvoir mettre de l'ordre. Je suis quelqu'un d'extrêmement humble dans ma vie. J'enseigne beaucoup de jeunes. J'essaye de former pas mal de jeunes. Il y a 5 choses que je leur enseigne. Je leur dis dans la vie, il y a 5 mots clés. Dire bonjour, dire au revoir, dire merci, dire je suis désolé, dire pardon. Je ne peux pas être cette personne qui prêche cela et qui fait ça. J'étais extrêmement hors de moi parce que il y avait ma famille tout de même. J'ai été froissée et pour rien. Je vous dis, l'excès de colère à partir du moment où le monsieur décide, elle ne passe pas, elle ne passe pas. D'une dame qui te tire le banc pour que tu passes et un monsieur, un policier qui vient dire tu ne passes pas, mais tu ne comprends pas ce qui se passe. Tu te dis forcément, soit il a un complexe, soit il veut prouver des choses devant ses amis, mais ce n'était pas logique, ça ne s'expliquait pas. Des barrières, j'en traverse, je vois tous les jours. On ne m'a jamais posé un problème au niveau des barrières. Je suis toujours passée. Pourquoi aujourd'hui? J'ai un macaron sur mon véhicule qui dit que je suis un député. Le pourquoi du macaron, selon vous? Selon vous, pourquoi il existe un macaron sur la voiture d'un député? Pourquoi est-ce qu'il y a un pins? Pourquoi le député a un pins? C'est pour qu'il soit identité remarquable. Parce qu'un député représente des peuples. Il représente des gens. Voilà. Et alors, j'appelle donc monsieur le gouverneur. J'appelle monsieur le gouverneur, il me dit oui, c'est qui? Je dis c'est l'honorable Noran Fouting, je me présente, je lui explique la situation. Il me dit ok, je t'envoie des gens. Et on m'envoie donc les gens. Le gouverneur m'envoie des gens. Les gens en question, c'est qui? C'est le sous-préfet et le commissaire. Quand le sous-préfet arrive, je peux vous montrer à quel point les gens sont zélés. Quand le sous-préfet arrive, il demande aux policiers d'ouvrir la route pour que je passe. Les policiers refusent d'obéir au sous-préfet. Ils refusent de l'obéir. C'est quand le commissaire demande qu'on ouvre la route qu'ils acceptent d'ouvrir donc la route. On ouvre la route, j'invite donc le sous-préfet à entrer dans mon véhicule pour qu'on puisse arriver là où le gouverneur est. On entre, c'était à peine à 2 minutes, on n'a même pas fait 1 minute là, on est arrivé là où le gouverneur était. En fait, ils avaient la cérémonie était terminée depuis, ils avaient fini de manger, donc c'est moi qu'ils attendaient, puisque c'est même d'ailleurs ce que le gouverneur me dit, honorable, c'est toi que j'attendais parce que je dois aller quelque part. J'ai dit ok, d'accord.
Qu'est-ce qui se passe? Et je lui relate un tout petit peu les faits. Il appelle le régional de la HRT. Il appelle, il demande, il dit voilà, qu'est-ce qui se passe avec Norabtou. Il dit, ça c'est le délégué régional, hein, qui dit écoutez, monsieur le gouverneur, cette dame a giflé mes éléments, elle les a brutalisés. C'est de peu si on n'a pas failli créer une meute là-bas et tout. Je dis, mais attends, on a assisté aux mêmes scènes là, vous n'étiez même pas sur place. Et quand je vais lui parler, une fois de plus, il me manque de respect. Il se tourne, il estime qu'il n'a pas besoin de parler parce que je suis une femme. En tout cas, je dis donc à monsieur le gouverneur, vous voyez, moi je vous relate la stricte vérité, dans tous ses détails. C'est à vous de juger. Et je dis donc à monsieur le gouverneur, vous voyez ce qui se passe. Il me dit, honorable, on va arranger. Il rappelle le monsieur le délégué régional de la sûreté et il explique en fait que voilà, quand il y a une situation pareille, il faut qu'on arrange les choses. Il n'est pas question d'envenimer la situation et tout. Et on fait donc venir, entre-temps, en fait, il y a bien sûr le SG de l'Assemblée nationale qui arrive. Il y a une de mes collègues de l'Assemblée nationale, honorable Angèle Toucam, qui est là. Et en fait, la scène se passe devant eux. Ils font donc venir le policier en question et au gouverneur de lui dire, mais monsieur, il y a l'honorable qui dit que vous l'avez giflé et tout. J'ai dit, non, monsieur le gouverneur, moi, je ne peux pas mentir. Je n'ai jamais dit qu'il m'a giflé, j'ai dit qu'il m'a brutalisé. Et voilà la situation et tout. Et ben, au policier de dire, moi, jamais. Non. Il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est elle plutôt qui était dans tous ses états. Nous, on a essayé de la calmer, de lui expliquer la situation et tout. Elle ne voulait rien comprendre. C'était vraiment grave et tout. Je dis, waouh. Je dis à monsieur le gouverneur, ce qu'il dit là est très grave. Parce que si la police est capable de mentir sur des choses pareilles, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est très, très dangereux. Je dis donc à monsieur le gouverneur, moi, je n'ai pas de souci. S'il présente des excuses, moi, ça, c'est tout ce que je souhaite. Qu'il présente des excuses. Le policier a estimé qu'il n'avait pas d'excuses à demander. Du moins, il a fui la situation et tout, et tout, et tout. OK. On n'a pas vraiment pu s'entendre. Le OSG de l'Assemblée nationale média de me calmer, ça va aller et tout. J'ai dit, OK, il n'y a pas de problème. Ça va se faire. On se lève. Ah oui, parce qu'il faut que je parle de la partie où on parle de nourriture. Parce qu'on dit qu'on m'a proposé un repas, j'ai refusé, c'est vrai. Quand je suis arrivée, on m'a donné un couvert pour pouvoir manger. En attendant, eux, ils avaient tous mangé. Donc moi, je ne pouvais pas passer après les gens. Pas parce que je ne veux pas, mais parce que je suis dans un état d'esprit où ce n'est pas vraiment le moment de manger. Non. Mes enfants viennent d'être traumatisés. Je viens de vivre une scène extraordinaire. Je me suis fait brutaliser par des policiers. Ce n'est pas normal. C'est pas normal, donc je suis pas d'humeur à manger. Faut vraiment pas être sur ça pour pouvoir dire que je suis capable de manger ou je suis pas mangé. Donc oui, c'est vrai, je refuse de manger. Moi, je dis la vérité. Hein. Moi, je relate la vérité. Ce qui a été fait, je le dis. Je mens pas. Alors, après cela, on se lève. On m'invite à prendre une photo. Je prends bien la photo avec l'imam. On prend une photo tous d'ensemble et tout. Et après la photo, je me dirige donc vers mon véhicule et tout. Je vais partir. Monsieur le gouverneur me dit, mais honorable, vous partez, vous ne me dites pas au revoir. J'ai dit, monsieur le gouverneur, merci. Je suis reconnaissante que vous ayez calmé la situation, merci beaucoup. Mais là, je dois aller à Fumban, ma famille m'attend et tout, il faut que j'aille pour pouvoir fêter avec eux. Et je m'en vais, il n'y a jamais eu d'escorte, jamais eu d'escorte derrière moi. Je suis allée à Fumban, là. Et c'est en allant à Fumban que les gens commencent à m'appeler, mais honorable, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Les vidéos circulaient. Je me suis dit au fond de moi, vraiment, Dieu, tu es juste. Parce que ce policier avait déjà menti. Il avait dit aux gens qui n'étaient pas là que je suis menteuse, que c'est moi qui est brutalisé. Lui, il n'a rien fait. Il a essayé de calmer la situation et tout. Je me suis dit, il y a un Dieu qui est injuste. Dieu ne peut pas permettre qu'en une journée aussi saine, que des choses pareilles arrivent. Et peut-être parce qu'aussi avant de partir, j'ai fait de l'aumône sur place. J'ai partagé ce que je pouvais avec les musulmans qui étaient encore restés sur place pour voir en fait jusqu'où l'affaire devait évoluer. Et je suis partie. Donc je me dis à la fin et au bout du compte, il y a quand même un Dieu juste dans tout ça. C'est pas tout qu'on peut accepter. C'est pas... Dieu est juste. Dieu est juste dans toutes choses. Et voilà, je pense qu'en résumé, c'est ce qui s'est passé. Merci d'avoir entendu. Je restitue ma vérité à moi, la stricte vérité, corroborée et
soutenu par les vidéos qui circulent depuis. Moi, je suis restée calme pour que la situation se calme. Mais j'estime qu'à un moment donné, il faut dire la vérité. Parce que quand on ne dit pas la vérité, des gens vous accusent des choses qui ne sont pas vraies. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est à vous de juger. Maintenant, je vais rendre la parole au président. Je ne sais pas si j'ai oublié des choses, président. S'il y a Bon, à vous de voir. Ok. Alors, il faut ramener la caméra. Alors, merci à vous qui êtes connectés et qui avez écouté la version des faits, la version authentique des faits. À la vérité, nous allons déjà vers la fin de cet échange. Comme je vous l'ai dit, je voulais qu'on partage ces informations avec vous, que vous ayez la version authentique. Donc, disons, pour les 10 minutes qui restent, ou 5 d'ailleurs, hein, je vous dirais que l'heure, c'est important. Si, comme l'honorable nous dit que la scène a eu lieu autour de 10h moins, 10h moins 10, par là. Puisqu'en fait, j'appelle le gouverneur autour de 10h02, c'est encore marqué dans mon téléphone. Voilà. Il y a beaucoup de fils. Voilà. Oui, lui-même, il le précise dans lui-même, il le dit voilà. Autour de 10h02. On sait très bien, la prière, donc, c'est 8h. Si à 10h02, vous appelez le gouverneur, et puis quand vous y allez, vous trouvez qu'ils ont fini de manger. Non, ils ont fini. C'était terminé. Et pour les musulmans, c'est important, parce que on a voulu donner l'impression que l'honorable Nouran Foutine voulait traverser la barrière pour aller écraser les musulmans en prière. Bon. C'est d'autant plus faux que les musulmans ne pouvaient pas être et en prière et au lieu de l'incident, avec leur tapis de prière. Il semble que c'est logique. Ils ne pouvaient pas être aux deux endroits. Ça a beau être une fête religieuse, divine, je ne suis pas sûr que ce miracle s'est produit ce jour-là. Donc la prière était effectivement terminée. Et si la barrière était toujours bloquée, elle n'était plus bloquée pour les fidèles musulmans. Elle était bloquée parce que l'autorité, disons, la plus importante de la ville, qui est le gouverneur, s'y trouvait encore. Et il s'y trouvait, et avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale, et même avec un autre député. C'est important aussi de le préciser. Et c'est là où le débat devient intéressant. Parce que si le gouverneur se trouvait là-bas, avec le secrétaire général de l'Assemblée nationale et un autre député, cela est même suffisant pour que l'honorable Foutine, qui à un moment leur dit pour passer que j'y vais même moi-même, c'est suffisant parce qu'elle fait partie de ceux qui, ce jour-là, peuvent avoir le privilège de franchir cette barrière pour se rendre à cet endroit. La preuve, lorsqu'elle y arrive, on lui donne un couvert. Parce que qui est dépositaire de l'autorité? Ce sont les élus. Et les gens à qui les élus transfèrent l'autorité. C'est pour ça que c'est important. Vous comprenez maintenant que ce direct pour nous est plus pédagogique qu'autre chose. En fait, le président de la République n'est ce qu'il est que parce qu'on le déclare vainqueur d'une élection. C'est donc le peuple qui, au travers de l'élection, lui donne cette autorité qu'il va par la suite transférer à d'autres personnes par délégation, telles que le gouverneur ou les autres autorités administratives. Donc, en ce moment-là, lorsqu'elle décline son identité, honorable Nouran Foutine est une autorité politique. Et à ces assises là-bas, à ce dîner, ou je sais pas trop, à ce buffet offert par l'imam, y assistent les autorités administratives et les autorités politiques, dont sa collègue, l'honorable Toucan. Et c'est pour cela que lorsqu'elle décline son identité, la femme policière, la dame, dont je salue aujourd'hui l'attitude, lui ouvre le barrage. En fait, ce n'est pas un trafic d'influence. Non, pas du tout. C'est du respect. Tout simplement. Alors, la question que moi j'ai envie de poser, si l'honorable Nouran Foutine ne franchit pas cette barrière en tant qu'autorité politique,
qui est habilité à la franchir. Qui est habilité? Je rappelle qu'en ce jour-là, le Cameroun n'est pas en état de siège. La région de l'Ouest, la ville de Bafoussam n'est pas en état d'urgence, en état de siège, où le franchissement d'une barrière de police peut justifier même que la police dégaine ou que les hommes en tenue dégainent pour assurer la sécurité et tirent sur vous. Non. Non. C'est un jour de fête religieuse. Et elle est connue, tout au moins reconnue par un policier. Elle avait donc le droit de passer. C'est pour ça que j'ai fait un tweet l'autre jour, je disais que l'honorable Fautsing n'a pas forcé la barrière de police. Je concède même encore qu'elle est tentée de la forcer. Mais elle explique dans quel état d'esprit elle était. Mais on peut lui faire le reproche d'avoir monté le ton avec les policiers. Mais écoutez, un député mérité. Elle n'a pas volé. Ce n'est pas une nomination. Elle a un statut que lui confère la loi. Elle voit ce statut bafoué. La personne qu'elle est, bafouée. Parce que moi, je vais aller plus loin. Je ne suis pas sûr qu'un député du parti au pouvoir, ayant 20 ans de plus, aurait subi cela. Je ne suis même pas sûr que moi, on m'aurait fait cela. Certainement pour le respect qu'on me donne. Mais ce respect, elle le mérite également. Elle le mérite également. Donc, on aurait dû la respecter. Je ne le dis pas seulement pour elle ou pour moi. Demain, certains d'entre vous qui êtes en train de regarder ce direct, je vous le souhaite, vous pourrez être député, nous on ne sera même plus là. Moi, j'aurais peut-être déjà fini mon mandat présidentiel. J'ai toujours dit que j'en voulais pas faire plus d'un. Je vous souhaite d'être là, vous aussi. La République fonctionne parce que les symboles de l'État sont respectés. Sinon, toute la gesticulation qu'on a observée récemment, lorsque les marches ont été, une manifestation a été annoncée à Genève, j'ai vu tous les médias publics mobilisés. J'ai vu tout ce qu'il y a comme intelligence dans ce pays rappeler que le président de la République est une institution et que même à l'étranger, elle méritait le respect qui lui est dû. D'accord? D'accord. Mais vous n'avez pas fini de dire ça, que le lendemain, vous estimez qu'un député n'est pas une institution. Ça n'a pas de sens. J'ai lu des enseignants d'université, j'ai lu la sortie de... Maintenant, sous réserve hein, de ce que ce soit un fake ou un montage, mais j'ai vu une capture d'écran circuler avec le nom du professeur Aboya Manassé qui félicitait le policier et qui lui disait « Tu maîtrises la route, tu maîtrises ton métier. » Ok, il est professeur d'université. Il n'a même pas, il est même à des années-lumière d'avoir le statut d'autorité politique pour l'heure. Mais je sais, j'ai été à l'université, j'y suis encore. Je sais à quel point les enseignants d'université sont attachés à leur grade. Je sais à quel point. C'est comme dans l'armée, c'est comme dans la police. Dites à un commissaire principal, appelez-le seulement commissaire, sans appeler, sans dire principal. Appelez un commissaire divisionnaire simplement commissionnaire, commissaire, sans ajouter mon divisionnaire. Pourquoi il est touché? Parce que c'est son grade. Confondez les grades dans la gendarmerie, dans l'armée. Appelez un militaire par un grade inférieur. Appelez un sergent-chef simplement sergent. Vous saurez. Vous verrez comment il va réagir. Quand même vous ne savez pas lire les grades sur leurs épaules, faites l'erreur. Vous serez puni pour cela. En tout cas, il va vous remonter les bretelles. Parce qu'il mérite cela. Il estime que c'est son grade. Il a travaillé et ce grade doit être reconnu. C'est de ça qu'il s'agit. C'est juste de ça qu'il s'agit. La République fonctionne parce qu'il y a ces symboles-là. Et Madame Nouran Fautsing, Madame la députée, vous avez mérité votre statut de députée de la nation. Je sais de quoi je parle. Et même ceux qui aujourd'hui, pour certains, font le malin, ceux qui vous ont vu battre campagne, ont applaudi des deux mains.
Parce que votre campagne, vous l'avez battue avec Maestria à Vouri-Est. Et ils le savent. On peut toujours faire un peu de bonne foi. Je comprends que sur ce coup, tous nos partis adversaires se sont mis ensemble. Hein. Ceux du pouvoir, évidemment. Et ceux qui, il y a d'ailleurs quelque temps, disaient que la police était la police du pouvoir contre eux. Bon. Sur le coup, ils sont du même bord. Ça montre bien la ligne de démarcation qu'il peut y avoir entre eux et nous. Mais ce n'est pas grave. Ils peuvent toujours se mettre ensemble pour nous détruire. Mais c'est vous le peuple qui décidez. C'est vous le peuple qui décidez. C'est pour cela qu'on a fait ceci à but pédagogique. C'est important. La République, c'est des symboles. Moi, je peux vous le dire. Ça nous arrive tout le temps. Il y a quelques jours, sur l'axe lourd, simplement parce que je n'ai pas fait attention à une plaque de 60, je suis passé à 80. Et j'ai été arrêté par les radars plus tard. Et lorsque la voiture a été stoppée, je suis sorti. Je me suis présenté. Et la dame lieutenant qui était là, m'ayant reconnu, m'a dit « Ok, j'appelle mon colonel pour savoir quelle est la conduite à tenir. » Elle a appelé le colonel, qui lui a rappelé, d'ailleurs je suivais, que pour une raison ou pour une autre, elle ne pouvait pas. La raison, elle est simple. C'est que nous avons ce que vous appelez macarons, qui sont c'est la cocarde d'immunité, qui fait qu'en réalité, pour ce genre de choses, ça ne veut pas dire que nous devons enfreindre la loi. Non, pas du tout. Je reconnais que je n'ai pas fait attention. J'ai roulé vite. On ne doit pas enfreindre la loi. Mais le privilège qu'on a, c'est la loi d'être élu. C'est qu'on peut, par des moments d'inattention, enfreindre la loi et échapper à la sanction jusqu'à ce que l'immunité soit levée. Vous enlevez ça à la République s'effondre. Cela a existé avant nous, cela existera après nous, cela existe dans toutes les démocraties du monde. C'est important. C'était important. Je relevais aussi le mensonge institutionnel. Parce que dans le communiqué du gouverneur, donner l'impression qu'à 10h02, la prière venait de se terminer, c'est faux. Non. À 10h02, encore que même si elle était terminée, mais prétendre plus loin que les musulmans étaient en furie. Parce que ce segment de son communiqué, je crois l'avoir... voilà. Il est ressorti après avoir écouté les uns les autres. Dans autre là, j'espère qu'on ne vous met pas, Aurora. Que suite au refus de madame le député d'emprunter la voie de contournement et face à son insistance à vouloir passer par la route occupée par la célébration. Par la célébration. La route n'est plus occupée par la célébration. La route n'est barrée, monsieur le gouverneur, que parce que vous vous êtes encore en train de manger. Je vous le concède. Vous êtes le gouverneur de la région de l'Ouest. Vous avez le pouvoir de couper les routes quand même vous mangez. Vous en avez le droit. Mais ne dites pas, quand vous coupez la route parce que vous mangez, ne dites pas que c'est les musulmans qui vous disent de couper la route. Non. Non. Assumez qu'en tant que gouverneur, vous pouvez couper la route pour manger. Ne mettez pas ça sur le dos des musulmans qui en ce moment-là sont préoccupés de rentrer rapidement chez eux parce qu'ils sont à jeun. Eux, ils ne peuvent pas encore manger comme vous justement qui mangez en coupant la route. Eux, ils doivent aller rapidement égorger le mouton pour qu'on prépare les boyaux qui cuisent vite pour qu'ils mangent d'abord ça en préparant la réception pour les invités et autres. Oui. Parce que, et vous allez plus loin. Vous dites que la route est encore occupée par la célébration. Des échanges réciproques de propos discourtois ont eu lieu, ainsi que des réactions diverses des fidèles musulmans indignés et en furie contre madame le député. Voilà. Vous voyez jusqu'où va la manipulation. Montrer que l'acte posé par Honorable Nouran était si grave que toute la communauté musulmane était en furie contre elle. Non, évidemment, les propos discourtois, c'est vous, c'est pas la police. Non, c'est vous qui avez dit, policier mon œil, policier de mes couilles. C'est apparemment vous qui l'avez dit. Et comme vous l'avez dit, les musulmans ont décidé de vous lyncher. C'est ce que dit monsieur le gouverneur. Et les gens veulent mettre ça par perte et profit. C'est-à-dire qu'un gouverneur peut signer un communiqué de presse dans lequel il peut dire des contre-vérités. Non, monsieur le gouverneur. Avec tout le respect que nous vous devons,
pour l'autorité que vous incarnez. Et je le dis encore, qui vous donne le droit de couper la route quand vous mangez? Vous n'êtes pas obligé d'aller jusqu'à imputer des mensonges à un député du PCRM. Non, surtout pas. Faites-le pour d'autres partis, si vous le voulez. Mais pas le PCRM. Non. En tout cas, pas tant que j'en serai le président national. Et là, cette fois, je vous le dis aussi, en tant que corps constitué de la République, parce que je suis membre du bureau de l'Assemblée nationale. Donc, et même quand je ne le serai plus, je vous le rappellerai quand même. Destruction, alors j'ai déjà parlé de ça en entame. La symbolique de la représentativité, de la souveraineté. Je l'ai dit en entame, pour ceux qui n'étaient pas encore là, je le répète. La Constitution dit ceci. La souveraineté appartient au peuple souverain. C'est un peu tautologique. Qu'il exerce au travers de ses représentants élus, que sont le président de la République et les parlementaires. Donc, c'est le rayon d'exercice. Mais encore que, dès qu'on a été élu député, on n'est plus député de sa circonscription, on est député de la nation. C'est pour cela que l'Assemblée ne siège pas au niveau du département. C'est pour ça que les résultats des élections législatives sont publiés par la même instance, proclamés par la même instance qui proclame les résultats de l'élection présidentielle. Parce qu'une fois que vous êtes élu député, vous exercez dans une institution à rayonnement national, qu'est l'Assemblée nationale. Donc, dès que vous vous y retrouvez, vous vous fondez et vous devenez une institution constitutionnelle à rayonnement national. Parce que les lois que vous votez sont des lois d'application nationale. Le gouvernement que vous contrôlez est un gouvernement qui rayonne sur le territoire national. Un député, vous le serez un jour, je vous le souhaite, exerce un mandat national. Exerce la souveraineté nationale. Que lui a conféré, non pas quelqu'un qui est gentil, qui est heureux. Ce n'est pas une part d'héritage. S'il y en a un, l'héritage, c'est le peuple qui en est le propriétaire et qui a décidé de donner pendant 5 ans. Ça peut déplaire à ceux qui n'ont pas voté pour le député en question. Ça peut déplaire à ceux qui n'aiment pas le député en question. Mais ça plaît à ceux qui l'ont voté. Et ça, il faut le respecter. Donc, lorsqu'un député se présente devant n'importe qui, il y a un respect qui lui est dû. Non pas pour sa personne physique, mais pour ce qu'il incarne. Cela vaut pour le président de la République, comme pour un député, comme pour un sénateur. C'est bon de le savoir. Vous l'avez vu, moi, je n'insiste pas sur le policier en question. Pour une raison évidente. J'ai des camarades policiers. Vraiment, commissaire divisionnaire, inspecteur, officier. Je sais que ce monsieur-là, ce n'est qu'une brebis galeuse. Bon, peut-être il y en a forcément d'autres. Comme dans tous les corps de métier, hein, on ne peut pas... On ne peut pas condamner un corps de métier parce que une personne qui appartient a eu un comportement, je ne sais comment le qualifier, de brebis égarée. Tous les jours nous croisons des policiers. Enfin, j'en ai croisé en venant ici au bureau tout à l'heure. Donc écoutez, tout ça, non. Ce policier-là, il avait certainement un autre problème. Peut-être même vit-il lui-même des frustrations dans son lieu de travail. Peut-être se sent-il même mal dans sa peau de policier. Et d'ailleurs, j'ai cru entendre qu'il vient récemment de Bamenda. Et ça pose encore un autre problème. Maintenant, c'est à vérifier. Hein. Je ne suis pas sûr que ce soit vrai. Mais je crois avoir lu ça quelque part. Mais si c'est le cas... C'est même important, ça remet au goût du jour une chose que j'avais déjà dite à l'Assemblée. Le suivi psychologique des personnes qui reviennent de la guerre ou des zones de conflit. Mentalement, il faut les prendre en charge. Parce que la furie, vous savez, la furie qui se dégage
ce policier-là, ce jour-là, a d'autres relents. Je veux bien que la femme ne lui dise rien, qu'un député PCRN ne lui dise rien, peut-être même si ça se trouve. Il a voté contre nous. Il en a le droit. Et il manifestait son antipathie ce jour-là. Mais pas jusqu'à ce point. Pas jusqu'à ce point. Dans ses yeux, c'était grave quand même. C'était grave. Je vous dis même que j'ai pour ce monsieur plus de compassion qu'autre chose. Surtout pas de colère. C'est même de la pitié. C'est de la pitié. Et je pense que ceux qui l'aiment ne devraient pas l'encourager dans cela. Et puis je finirai en disant que non, on ne va pas tuer le rêve jeune. Je sais. L'une des raisons qui peut avoir poussé ces quelques brebis galeuses à agir de la sorte, c'est certainement la jeunesse de cette dame. Elle avait eu 20 ans de plus que personne n'aurait réagi comme ça. Que les jeunes ne se sentent pas frustrés. Le PCRN encouragera toujours, plus jeune qu'elle d'ailleurs, encouragera toujours. Le PCRN, c'est le parti de toutes les générations. Et nous protégeons tout le monde, quel que soit son âge, quelle que soit sa génération. Ne tuez pas le rêve de la jeune fille. Oui. Honorable Nouran Fotsin fait rêver des jeunes filles. Je sais qu'on construit une société du reste à ta place. Il y a d'ailleurs une tribune que je suis en train de préparer à ce niveau. La société du reste à ta place. Parce que je lis tous les jours les gens qui lui rappellent qu'elle vendait des mèches et qu'elle doit rentrer vendre les mèches. Oui. Nouran Fotsin a vendu les mèches et continue à les vendre. Vous qui vendez des voitures, allez aussi gagner une élection législative. Vous qui vendez le gratte-ciel, allez gagner une élection législative. Ben oui, apparemment. Ben attendez, si vous voulez être député, vous avez le secret, vendez les mèches alors. Ben qui vous a dit que quelqu'un qui vend les mèches ne peut pas être député? Ben elle continue à les vendre. Elle est entrepreneur, je ne sais pas, on dit même entrepreneuse maintenant. Elle est entrepreneur et c'est tout à son honneur que justement qu'elle ait pu vendre les mèches et qu'elle soit devenue députée. Mais il y en a qui estiment que comme elle a vendu les mèches, elle doit rester dans la boutique des mèches. C'est ce que j'appelle la société du reste à ta place. Parce qu'apparemment, elle a un problème de conscience pour certains. Parce que son arrivée en politique, j'ai souffert de ça, je continue à souffrir de ça, brise certains codes. Non. Il y a des choses qui doivent rester pour une catégorie de gens, pour les enfants de certaines personnes, pour ceux qui ont un certain parcours. Les autres là, parce que tu es garagiste, reste à ta place. Parce que tu es motoman, reste à ta place. Parce que tu es taximan, reste à ta place. Parce que tu es colboxeur, reste à ta place. Parce que tu es chômeur, reste chômeur. Ne rêve surtout pas d'être président ou député. Non. 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 Nous, on est contre la société du reste à ta place. Et je sais, le mépris qui sortait des yeux de cette brebis galeuse de la police, c'était un mépris vis-à-vis qui condamnait cette jeune femme. Pourquoi toi, tu es député? Non, je ne l'accepte pas. Donc, j'écoute des députés, je respecte les députés, mais toi, je ne te respecte pas. C'est ça. Non. Nous, on ne tolérera jamais ça. Jamais. Si vous voulez, devant elle, fuyez. Allez faire vos genuflexions et salamalek devant des députés qui ont vendu des immeubles avant. Et pourquoi pas le Cameroun d'ailleurs au passage. Mais, respect pour les députés du PCRN, pour les élus du PCRN. Respect. Respect. Et je le dis avec insistance, respect. Nous méritons ce que nous sommes. Nous mériterons toujours ce que nous sommes. Et nous travaillerons toujours pour mériter la confiance de ceux qui nous ont mis là où nous sommes. Respect. Je vous ai dit, ce direct est pédagogique. C'est ça qui compte pour nous.
Et derrière tout cela, il y a même du mépris vis-à-vis du PCRN. À la vérité, parce que quand je disais tout à l'heure que je ne suis pas sûr que si elle avait été députée du parti au pouvoir, on aurait réagi comme ça. Ça s'explique, hein? Vous savez, on peut ne pas respecter la personne qui est devant nous, mais respecter l'organisation à laquelle cette personne est rattachée, au service de laquelle cette personne est. C'est pour cela, parfois, qu'on respecte les policiers. Vous savez, la plupart du temps, vous voyez un policier, sa tête ne vous dit absolument rien, hein? Comme personne physique. Mais alors, absolument rien. D'ailleurs, même physiquement, vous dites même celui-ci, je peux le battre. Mais que respectez-vous? C'est la tenue bleue qu'il a. C'est le grade qu'il a sur l'épaule. C'est la police. La police. Donc, quand vous êtes policier, c'est pas vous qu'on respecte. D'ailleurs, je ne sais toujours pas comment s'appelle ce policier. Je n'ai même pas cherché à savoir comment il s'appelle. On parle de la police, de la police, de la police. Mais sauf que, quand il va s'agir de Nouran Fotsing, on va dissocier. On va parler de Nouran Fotsing, mais pas de l'Assemblée nationale. Mais pas du PCRN. Eh bien, moi, je défends les deux. D'abord parce que je suis son collègue député. Et en plus parce que je suis le président national du Parti Camerounais pour la Réconciliation Nationale, qui compte 5 députés dans ses rangs. Donc, que ce soit elle, honorable Ngoï ici, Roland, honorable Ndi, bienvenue, honorable Biba François, mon devoir, en tant que leur président, c'est de les protéger. Et vous n'êtes même pas prêt de vous imaginer jusqu'où je peux aller pour protéger un des miens. Vous n'êtes même pas, vous n'avez même pas idée. Cette fois, je n'ai pas cédé à tout ce qu'ils disaient, faites ceci aux policiers, faites ceci aux policiers, faites cela. Vous savez, on n'est pas là pour sortir les muscles. Parce que je ne vois pas pourquoi on se déploierait contre... Si j'ai bien vu sur ses épaules, ça doit être un jeune inspecteur. Ça doit être un jeune inspecteur de... Le deuxième ou je sais pas, deuxième ou troisième grade, je ne sais plus. Donc, j'avoue que parfois, comme je le disais tout à l'heure, qu'il m'excuse au passage, hein, si je n'ai pas, mais dans la vidéo, à un moment, c'est un peu flou, donc j'arrive pas à savoir. Donc, qu'est-ce que ça nous fait? Ça fait quoi au PCRN? On a demandé à Maître René Roger Bébé d'étudier le dossier, de nous proposer des actions à mener. Mais à la vérité, qu'est-ce que ça nous apporte d'être au tribunal avec un policier, pas trop quoi. D'ailleurs, nous n'écrivons même pas au DGSN. Nous allons plutôt écrire au président de la République. Parce que le DGSN est bien un délégué à la Sûreté nationale. En fait, il dépend du président de la République. Donc nous, en tant qu'élus, incarnant un mandat national, nous allons écrire à un autre élu qui est à la tête d'un autre pouvoir. Le pouvoir exécutif, je rappelle qu'au Cameroun, en théorie, nous sommes dans l'équilibre des pouvoirs. Donc celui qui est garant du pouvoir exécutif, nous, en tant qu'incarnant le pouvoir législatif, nous allons lui écrire, lui demandant de rappeler à ceux qui sont sous ses ordres qu'ils ne doivent pas outrepasser et fragiliser les symboles de la République. Parce que comme je l'ai dit dans un tweet, si lui, le président de la République, cautionne qu'on dise député de mes couilles, il faut qu'il s'apprête à ce qu'on dise président de la République de mes couilles. Et j'espère que tous les apprentis sorciers, et j'emprunte un de ces termes, il est désigné dans son propre camp, tous les apprentis sorciers qui se sont empressés, qui se revendiquent tous les jours d'être de son côté, qui se sont empressés de féliciter le policier qui a dit député de mes couilles, il faut qu'ils s'apprêtent eux aussi à fermer leur clapet quand d'autres vont dire président de la République de mes couilles. Donc s'il ne veut pas que ça arrive à son niveau, il sait ce qu'il doit donner comme instruction à son délégué général à la Sûreté nationale, notamment dans la formation des policiers, et oui, davantage dans la formation des policiers, parce que et je sais que ce n'est pas toujours évident au quotidien dans la rue pour un policier. Nous, ce que nous allons nous contenter de faire, c'est que nous allons écrire, justement, je viens de le dire, au président de la République pour qu'il fasse ce que nous venons de dire. Nous allons adresser un rapport d'incident au président de l'Assemblée nationale pour que lui aussi ait la version, lui qui est le patron de l'institution pour laquelle nous travaillons, qu'il sache ce qui s'est passé. Et honorable Nouran Fotsing va également écrire à ONU Femmes
qui d'ailleurs l'a déjà contacté à cet effet, va leur faire également un rapport d'incident pour qu'ils mettent dans leur banque de données ce qui s'est fait avec cette jeune femme. Ce qui s'est fait avec cette jeune femme. Donc, voilà. Je crois que c'était important de faire cette mise au point. Je sais, beaucoup disent, non, il faut pas communiquer, il ne faut pas... On connaît ce petit piège-là. Il ne faut pas communiquer parce que derrière, c'est vous qui continuez. Les mêmes qui te disent, hein, ils t'appellent, ils te disent, non, il ne faut pas communiquer, sont les mêmes dont on vous envoie les screenshots, ils sont en train de répandre ce contre quoi ils vous disent de ne pas communiquer. J'ai connu ça encore récemment avec une affaire que vous connaissez bien, l'affaire de diffamation qui est d'ailleurs au tribunal et qui va aller jusqu'au bout. Et les gens disaient, non, les mêmes qui t'appelaient, mais c'est quand même quelque chose d'incroyable. Non, écoute, président, il faut le laisser, c'est pas à ton niveau. Le même est en train de dire vraiment ce pays, il est fini. Les députés gagnent les marchés. Le même. Le même. Donc, on connaît ce petit truc-là. On n'ira pas pour ce policier jusque-là. Mais par contre, l'autre affaire, elle ira jusqu'au bout. Elle ira jusqu'au bout. Parce que je le dois à vous qui me soutenez. Vous qui soutenez notre idéologie. Vous qui soutenez les idées du Cameroun qui protège et qui libère les énergies. Vous qui me faites confiance et vous qu'on pousse parfois au doute en répandant des sottises. Ben oui. Parce que c'est ça le but. C'est pour que vous, vous commenciez à douter. Lorsqu'on a dit, oui, Cabral Ibi a fait ceci, vous, vous commencez à douter. C'est normal. C'est normal. C'est fait à dessein. Vous savez, je ne parle plus de... Je crois qu'on a clos l'autre dossier. Maintenant, ceux qui sont fâchés peuvent toujours partir. Hein. C'est quand même le compte de Cabral Ibi officiel. Voilà, donc je vois des gens qui sont fâchés et qui disent pars alors. Non, c'est vous qui devez partir. Vous êtes sur ma page, là. Vous êtes sur le PCRN, là. Vous jouez avec dans le camp du PCRN. Non, mais je dis toujours, ne l'oubliez jamais. Depuis que je suis entré en politique, m'a-t-on attaqué sur mes idées? Non. Tous mes célèbres contempteurs, tous mes célèbres critiques, tous mes célèbres adversaires, hein, vous les connaissez, là. Il y en a qui sont célèbres, vous savez, quand leur côte descend, il faut qu'ils publient sur Cabral Ibi. C'est normal, c'est pas un problème. Enfin, je veux dire, mais tous ces gens-là, aussi intellectuels qu'ils sont, en tout cas, certains le prétendent, pourquoi ne sont-ils jamais venus devant vous pour vous dire telle chose dite par Cabral Ibi ne tient pas la route, telle idée ne tient pas la route? Non, non. Même sur le fédéralisme communautaire, là, qui va bientôt être publié, c'est toujours en train d'écrire des âneries du genre, non, c'est pas conflit, de guerre tribale, c'est pas trop. Non, mais argumenter quand même, pour certains, ils prétendent avoir fait des études universitaires. Argumenter, non, non, non. Ils ne vont jamais sur le terrain du fond. Ils sont sur l'écume. Ils veulent attaquer la crédibilité. C'est pour cela qu'on va vous dire, non, 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 il avait le régime. À force de le répéter, certains d'entre vous commencent à y croire. Non, 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 il est un pion. Non, non, il est... En fait, leur politique à eux, c'est de répandre le doute. Le doute. En fait, c'est vous qu'ils manipulent. Pas moi. Pas moi. C'est vous qui êtes manipulé. Non, il a fait ceci. Il a volé ses diplômes. Mais écoutez, si j'ai volé des diplômes, ça veut dire que j'ai rien dans la tête. Venez me le démontrer. Mais avant, j'ai fait des débats, non? Tout le temps. Dans les médias. J'ai eu toutes sortes de contradicteurs. Je prends la parole à l'Assemblée tous les jours. Enfin, pendant les sessions. Nous ne travaillons que 90 jours par an. Ce n'est pas de ma faute. Je suis contre ça, mais pour le moment, c'est en vigueur. Mais pendant les quelques jours où nous nous retrouvons là-bas, j'ai des positions au pupitre de l'Assemblée qui ne demandent qu'à être démenties par ceux qui prétendent être plus méritants. Non. Donc, voilà. Restez focus, chers camarades. Oui, les chroniques reviennent bientôt. Oui, oui, vous me regardez. Elles reprennent bientôt. C'était juste un petit break, elles reviennent bientôt. Donc, voilà. Merci à vous d'avoir été nombreux à nous écouter. Ouais, quelqu'un écrit, Mouf, on te connaît déjà, c'était avant. Bon, quand je vais encore répondre, vous allez prendre ça, vous allez couper, vous allez faire le...
Vous allez baiser avec dès demain matin. Donc maintenant, je suis prudent. Mais encore, oui, mais parce que je vois, il y a des... Ah là là, quelqu'un dit c'est visible que Nouran te finance. Mais où est le problème si Nouran te finance? Où est le problème? Où est le problème? Merci Nouran de me financer. Merci de financer le PCR. Merci de tout cœur. Continue à financer. Vraiment que Dieu te bénisse davantage, que tu aies plus d'argent pour financer davantage. Bon, il y a quelqu'un qui met tweet comme commentaire. Il y a des gens qui font les bons commentaires quand même. Non, je lis. Non, les autres, je... Voilà Steve, voilà. Mais bonjour président. Oui, Steve, coucou, je te vois. Ah, Sarah, merci, oui. Oh, mais où sont les gens qui insultent? Bon courage, le président. Oui, Félicien. Mais pourquoi? Maintenant que je réponds, il fuit. Clotaire et Poutine ont menti sur Mirabel. Je ne sais même pas de quoi il s'agit. Je ne sais pas de quoi on parle. Je sais que Poutine ne ment pas. Poutine ne ment pas. Poutine, c'est un gars bien, sérieux et qui a tout mon soutien. Je le protégerai coûte que vaille, comme je protège Nouran. Vous étiez bref, oui, je sais que vous voulez que je parle encore. Je cherche les gens qui insultent. Et subitement, ils fuient. Ben voilà, c'est comme ça qu'ils sont. Donc pendant que j'étais préoccupé à parler des questions de fond, ben c'est exactement comme ça. Et ils profitent de ce que nous, on est porté vers des questions importantes pour édifier le peuple. Ils balancent des âneries. Maintenant que je m'y focalise, ils ont tous fui. Hein. Des quoi? Président. Des poules, on dit quoi? Poules mouillées. Poules mouillées. Oui, Nouran, bon, on va élargir le champ, hein. On va clôturer cette affaire en étant tous les deux. Ils vont s'en charger. Ok, voilà. D'accord. En fait, moi, je tenais juste à la fin de cette vidéo, si vous permettez. Vas-y, Nouran, parle. On est sur notre page. Il faut élever la voix. Voilà, donc je voudrais dire ceci, c'est qu'en fait. Non, c'est bon, vas-y, pose. Ok, monsieur là. Voilà, c'est bon. Voilà, je tenais juste à m'excuser auprès des gens que j'ai offusqués d'avoir vu des images aussi choquantes. Parce que ce n'est pas l'idée de montrer ce genre d'attitude au public, ça ne me ressemble pas. Donc je tenais vraiment à m'excuser auprès des Camerounais, à ce peuple, à cette population-là, qui nous a toujours soutenus, le PCRM, qui me soutient, à ces jeunes pour qui je représente quelque chose, à ces femmes que j'inspire et que j'estime que je dois continuer à estimer, à inspirer, parce que c'est mon combat, c'est ce que j'ai choisi. J'ai choisi d'être cette personne-là qui porte la voix de la jeunesse, qui est toujours traitée de manque d'expérience, incapable, pas ceci, pas cela. Comme le président l'a dit tout à l'heure, on ne va pas permettre que le rêve soit tué. Et c'est pour eux que je m'excuse de savoir que les images se soient passées, que les choses soient passées comme ça. Ça dépendait de moi. Ces vidéos ne seraient jamais retrouvées sur les réseaux sociaux parce que ce n'est pas ce qu'on a envie de présenter, surtout au regard de l'international et tout. Mais sachez que je suis votre députée. Je suis cette femme qui a toujours essayé de tout faire pour aider les jeunes et je continuerai à le faire même si les gens veulent nous déstabiliser et ternir notre image. Au PCRN, on vous l'a toujours dit, on protège et on libère les énergies. Donc, on va continuer à protéger et libérer les énergies sous le président Cabral Libi. Voilà. Ok, Nouran. Alors, il y a une réaction que je viens de lire. Je ne peux pas quitter ce direct sans l'avoir relayé. Quelqu'un, il dit, c'est toi quoi son nom? Il dit, alors il y a quelqu'un qui a écrit comme commentaire, tout ça pour rien, on va tous mourir. C'est cinglant comme rappel. Alex Johnny. Alex Johnny, c'est cinglant comme rappel, mais ça tombe à pic, on va vraiment tous mourir un jour. Alors, il y a tout dans le... Mais là, c'est moi le caméraman, hein, puis ça va... Dans la salle, il y a toute la team qui est là. Il y a l'honorable. Ah ben, dites bonjour, hein. Maintenant, je fais le caméraman. On est déjà dans le show. Ben, venez dire bonjour. Présentez-vous d'abord. Rapidement. Bonjour, bonjour à tous. Bonjour. Merci de tout le soutien que vous avez. Honorable Tweli. Bon. Axel Levé. Monsieur le vice-président chargé de la diaspora, monsieur Axel Levé. Pas que coopération et intégration. Coopération et intégration.
Monsieur Abdourahmane Mokhtar. Merci pour tout et pour tous ceux qui nous soutiennent, on va dire, continuez de le faire. Monsieur Tamtam, salut à toute la diaspora. Monsieur Constantin Tamtam, comme vous voyez, je suis là. Qui est membre de la coordination Pays France, voilà. Qui est en séjour au Cameroun. Merci. Le docteur John Nyobe, député suppléant de l'honorable bienvenue Njip, qui est de passage. Monsieur le régional de l'Ouest, je ne suis pas sûr qu'on vous voit loin là-bas, et puis il y a le compte toujours. Ah, il y a quelqu'un qui a écrit que vraiment tu es faible. Avec trois policiers, je vois. C'est l'époux de Honorable Nora. Il y a quelqu'un qui a dit que tu es très faible. Tu étais là et tu as laissé qu'on vienne là. Moi, j'étais pas au volant, contrairement à ce que les gens sont en train de dire que c'est. Non, tu n'étais pas au volant, c'est tout. Il y avait un chauffeur, d'accord. Et moi, j'étais de l'autre côté. Enlève le masque, parce qu'on ne peut pas. Enlève le masque, pourquoi plus. Non, moi, j'étais de l'autre côté. Quand j'ai commencé à voir que c'était chaud, j'ai essayé de filmer pour garder les preuves. Les quatre policiers sont venus sur moi. Et du donc coup, tu n'es pas faible. Parce que si tu as été maîtrisé par quatre policiers. Voilà, non, mais tu n'es pas faible. Du coup, je crois qu'elle est descendue de la voiture parce qu'elle a vu que c'était non, chaud. Non, c'est bon, mon frère. Tu as lavé ton honneur. Tu n'es pas faible. Il y a James qui est là. L'homme fort. L'homme de la sécurité. C'est une noix 8 ans. Monsieur le SG. Alessi Leko. Qui est là également? Non, je suis faux. Monsieur Serge Lama, secrétaire national à la jeunesse qui est là. Poutine le lion. Oui, je m'avais mangé les œufs sur Nouran tout à l'heure. Monsieur William Bayiha, mon conseiller en communication. Et puis voilà, au revoir, merci de nous avoir suivis. Bah, c'est le côté fin. Hein. Pour nous, ce dossier est définitivement clos. On voulait vous dire la vérité. On vous a dit. Ah, je vois qu'un journal a publié qu'on a porté plainte. On n'a pas porté plainte. Vraiment, c'est compliqué ce pays. Ciao, 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 ciao. Pour finir, on a terminé. Au revoir, au revoir. Continuons à bosser. On a une élection présidentielle à gagner en 2025 et on doit porter notre nombre de sièges de députés au moins au tiers des sièges à l'Assemblée nationale. On doit porter le nombre de communes sous escarcelle PCRN en 2025 au moins au tiers du nombre de communes. Au revoir.